Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Bienvenue dans Point de presse que Son Excellence Président Jovenel Moïse a bâillé après voyage officiel l'Isotfen dans le pays Italie. Côté Pape François, te recevoir en audience dans la cité Vatican. Côté tout, il te rencontré avec le président italien. Voyage ça, c'était occasion pour te faire un petit palais avec la communauté haïtienne qui vit dans le pays Italie. On nous écoute, président Jovenel Moïse. Merci, Frère Maxime. Moi, je retourne. Nous connaissons depuis mercredi après-midi, je quitte le pays. Je prends un avion dans Port-au-Prince. Je arrive à Miami. Je quitte Miami dans la soirée. Je vais aller à Rome. Côté me dérivé dans jeudi et jeudi me dérivé à nous connaît petit problème décalage horaire là fini fait 18 temps de vol de te mérite un petit repos une dépend et le lendemain matin 18 du matin nous t'es allé rencontrer Saint-Père là Pape François. Rencontre ça, forme d'ili, c'est une plus grosse rencontre que je fais depuis 7 février 2017 que je vais investir comme président. Parce que c'est un coup, là, réfléchir, ce père-là, où qu'on est. Ça veut dire. Le roi, le pape. Vous comprenez que son personnage qui part simple même là avec nous, mais ça m'a dérivé découvrir. Moi, je vois le monde aujourd'hui à mon pape qui compte toute douleur, toute misère, tout problème qui vient dans le monde là. Mais moi-même, particulièrement, je parle de problèmes jeunesse là, en Haïti, avec lui. Parce que nous connaissons comment nous avons une population qui est jeune. Sous chaque 100 haïtiens qui vivent, il y a 70 qui peuvent avoir 25 ans. Ça veut dire que ce sont des grosses opportunités, mais ce sont des opportunités qu'il faut bien gérer pour être capable de jouer avec ça, pour être capable de faire le service comme un gros levier pour le développement du pays. C'est pour ça que c'est un sujet que je parle sous les pile avec le pape là. Pour voir comment, pour l'intégration jeunesse, comment moraliser jeunesse, comment pour nous en jeunesse haïtienne qui est au service de la nation, en jeunesse haïtienne qui est au service de la communauté, en jeunesse haïtienne qui est au service de la patrie. Et moi discuter de vini pape là tout. En Haïti, parce que nous, la dernière fois, il y a un pape qui est venu en Haïti, c'est 1983, c'est en mars 1983, ça fait 34 ans. Moi, mandé pour que nous recevions une grosse visite, ça, visite pape là, dans le pays d'Haïti.
nous travaillons sur cette date là, mais nous pouvons chita sur une date. Moi qu'on est autorité dans l'église en Haïti, il y a bien pour entrer en pour parler avec autorité qui dans Vatican pour nous incessamment qu'on est qui date visite ça qu'a fait nous-mêmes peuple haïtien pour nous préparer nous en conséquence pour nous recevoir peuple. Parce que nous connaissons depuis 1860 Haïti signé concordat avec l'église catholique, c'est-à-dire je voulais parler de l'état du Vatican et l'état d'Haïti, c'est-à-dire nous lier par accord ça. Il faut ne pas oublier tout que l'état Vatican c'est un des premiers états qui était reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1824. Ça veut dire c'est un des premiers états qui était d'accord que l'esclavage était aboli sur la terre. Que moun pat la pour faire servir ton poubette, moun pat la pour servir l'autre moun. Le rencontre là fin fête m'a parlé de vendredi dans l'après-midi vers 2h nous t'ai rencontré président italien. C'est une grosse rencontre côté nous t'ai parlé de relations bilatérales parce que entre Haïti et Italie depuis plus de 30 ans nous pas gagné ambassade d'Italie en Haïti et pourtant en Italie nous ambassade d'Haïti parce que faut ne pas oublier Italie c'est un coup c'est deux pays ça veut dire que c'est deux états en dedans Rome ou bien état du Vatican. Haïti nous on ambassadeur dans Saint-Siège là, ça veut dire dans Vatican qui c'est ambassadeur ça et nous on l'autre ambassadeur qui lui-même c'est ambassadeur pays Italie. Nous discuter de ça. Jodi an nous dit li ça qui pi intéresse nous nos relations avec l'Italie. C'est pas une relation de yon ambassade avec une autre ambassade, mais son relation de coopération technique, de coopération qui tend vers le développement. Donc on aime bien comment que italien yo très bon dans construction de machines par exemple, si n'a pas parlé de d'énergie électrique, nous connaît gen barrage qui supposé fait sous fleuve Artibonite là. M'a parlé de barrage Artibonite 4C qui son projet qui fini étudié là, mais malheureusement pour côté gens m'ont mis en commun pour nous être capable implémenter projet ça. Italie c'est si un pays qui plus fort sous la terre a fait construire turbine hydroélectrique. Nous t'ai parlé avec président sous ça, sous affaire énergie. Nous parlons avec lui sous affaire touriste là tout parce que plus gros tour opérateur qui vient dans le monde tout c'est italien, vous voyez, ça veut dire les qui ça compte tour opérateur, c'est des monde qui organisé pour mener monde voyager dans l'autre pays. Et aujourd'hui nouvel élan que pays a pris, téléphérique que nous allons mettre dans la citadelle là très très prochainement qui permettent que d'amener 500 monde chaque dedans en les citadelle là vienne faire que touriste là développement touristique là nous a réfléchi un autre genre aéroport international Toussaint Louverture que nous la donne là nous gain pour nous agrandir li aéroport Okai qui gain pour venir aéroport international aéroport au Cap là nous gain pour nous mettre jet bridge même genre avec Port-au-Prince là pour nous refaire terminal là. Ça fait que n'a préparé pour touristes entrer dans pays. Nous parler de îles adjacentes tout, nous parler de la Gonave, de la Tortue, de la Vache, des Caïmites. Côté, nous parlons de travail pour nous mettre des infrastructures qui permettent que nous puissions recevoir bateau. Là, nous avons besoin de tout opérateur, des gens qui ont connaissance dans le domaine, qui pour travailler avec le ministère touriste en Haïti pour comment nous pouvons amener des touristes européens, touristes, toute qualité, nationalité, venir dans le pays. Pour ça arriver, fait, je vais parler de énergie, tourisme, de agriculture, parce que nous connaissons italien, yo bon en pile n'a fait machine agricole tout. Moi l'exemple tracteur nous qui a labouré terre dans tout pays, nous tracteur sont marque américaine, ça veut dire c'est des tracteurs verts, je dis, mais équipement qui derrière tracteur c'est en marque italienne. C'est en Italie équipement ça ressorti. Parce que italien yo bon en pile
dans l'équipement de préparation de sol, yo bon en pile dans l'équipement pour récolter jardin, yo bon en pile dans affaires équipement agricole en général. C'est pour ça nous pour travail pour que une commission mixte, et c'est ça me dit pas la président d'accord sur ça, pour nous monter une commission mixte rapidement qui parle chita sous affaires développement tourisme, agriculture et énergie. Nous voulons parler d'une commission mixte qui prend le travail sous trois aspects ça, qui pour permettre que l'énergie électrique, là, parce que nous songeons, en janvier, 19 mois, ça veut dire qu'il faut que le pays ait un courant 24 sur 24. Pour le courant, ce n'est pas rester après croisé pour nous, et puis pour le courant venir. C'est nous-mêmes qui pouvons faire effort, j'en sais comment c'est fait. Dans les Iwa, j'en sais fait semaine qui se passe à la ANAC, Autorité Nationale de Régulation du Secteur de l'Énergie, que directeur, il est en tête, institution ça, depuis le fin mois novembre, on appelle à manifestation d'intérêt qui sortit pour toute civile. Elle dit tout le monde aujourd'hui qui a un désir, un entrepreneur, qui a envie de mettre courant dans une petite ville dans le pays aujourd'hui, ou pas dans quelle contrainte. C'est arrivé, fait of power, montrer intérêt pour capable de gens qui fait dans les IWA, pour choisir n'importe qui ville. Ou bider sous lit, et puis l'État bordeaux pour produire, pour distribuer et pour toucher comme plateau. Maintenant, l'État qu'on y a, ou rien, si vous faites bénéfice, parce qu'il faut ne pas oublier, tout système ça pour être bien audité. Pour avoir un système audit indépendant qui là pour auditer tout le monde qui n'a fait production courant dans le pays, dans le produit distribué à vendre. Pour leur vendre, quoi vous faire? Si quoi vous faire, il ne pas permettre de rentrer quoi ou de faire investissement ou non, laisse l'État à venir pour garantir ça. Mais si quoi vous faire, ou faire quoi investissement non pour plus ou faire bénéfice, ou pas l'obliger de l'État taxe avec impôt sous bénéfice. Parce que courant, c'est bon bah qui gratis. Courant, les gens qui ont besoin de courant, il faut payer pour courant. C'est pour ça, dans la commission mixte, gros priorité, nous, une gros priorité, nous, c'est les affaires énergie. Ça veut dire, turbine qui a été installée dans la centrale à Tibonite 4, c'est que nous avons parlé. Dernier point que le président lui-même a parlé avec moi directement, il a dit une coopération qui fait sous les affaires former moun en criminologie en dans pays a li dit m'gen des moun la douane qui t'est voyager qui t'allait prendre des formations comme ça en Italie. Ça tout nous prioriser pour que dans commission mixte que n'a parlé a gagner des équipes qui va la donne pour travailler rapidement sur ça. Et nous connaît bien moi-même c'est sur résultat que nous travaille. C'est sur impact que qui ça que coopération internationale là aujourd'hui. Là, nous faisons analyse qui ça a porté comme bail concret pour le pays. Et c'est peut-être ça, moi j'étais clair avec le président italien pour me dire que bon côté pas nous, nous avons emparé parce que le pays a un ministre touriste, un ministre de l'agriculture, un ministre de travaux publics. Ils ont même, ils parlent chita parler avec les gens qui étaient partis dans la délégation pour rapidement pour nous joindre les gens, pour nous mettre une équipe sous pied pour que deux pays qui a commencé le travail sous affaire énergie, sous affaire tourisme, sous affaire agriculture. Et forme dit moi-même moi des points qui t'intéressent dernier pour le président c'est affaire criminologie mais moi-même point qui t'intéressent c'est sous affaire gestion déchets ménagers. Nous connaissons tout italien très bon dans ça. L'homme dans la Belgique là, moi t'ai parlé avec un groupe, yo même tout gagne en plein intérêt sous affaire fatra dans grande ville pour faire fatra tourner compost pour faire fatra tourner courant. Comment ou ka faire fatra tourner courant c'est là ou prend matière organique qui vient dans fatra parce que dernière étude que nous joignent qui fait sous pays là près de 72% fatra qui fait dans Port-au-Prince dans au cap dans l'autre grande ville c'est fatra c'est déchets organiques que oui. Ça veut dire que c'est des déchets qui produisent méthane pour nous produire courant et c'est des déchets qui produisent compost pour nous mettre dans la terre pour nous capables de faire agriculture biologique. Nous parler de ça et
Moi connais mon équipe tout qui a bien pour venir visiter pays là pour garder comment pour fouiller, j'ai regardé comment Fatra dans Port-au-Prince qui aujourd'hui a représenté une menace pour nous avec mairie Port-au-Prince, avec mairie zone métropolitaine en général, toutes neuf mairies dans zone métropolitaine. Comment nous cachita pour nous faire des centres de tri au lieu de des centres de décharge simples, nous y a des côtés nous cap vider Fatra et nous trier Fatra, nous retirer matière plastique au météo sous côté, retirer déchets industriels au météo sous côté et puis déchets organiques nous mettez dans des biodigesteurs qui permettent nous produire gaz méthane pour nous produire courant pour virer turbine et nous produire compost pour nous faire jardin, pour nous faire terre nous produit plus. Non, vendredi soir, moi j'étais en grande rencontre avec la communauté haïtienne qui vit en Italie. Faut me dire ça, j'ai rencontré un pile monde qui te fait étonné, des monde qui ont des informations en Haïti plus passé nous-mêmes peut-être qu'a vivre dans le pays. Yo dit tout ça qu'a fait dans le pays. Et moi profiter féliciter équipe communication qui a fait un gros travail pour faire nouvelle ça arriver dans tout coin sous la terre. Yo parlais de route campée, yo parlais de lumière qu'a mettre dans les Iwa, yo même parlais de barrage qu'a fait dans Marion. Yo parlais tout bagaille pont qu'a construit dans le pays à route cap fait dans mon bilbo route dans kafou joff pour lan sa folè usine asphalt qui monte dans pays ya. Yo parlem de même camion que nous joine derrière de radio nationale qui commence réparer kounya. Faut me dit j'aime te dit li m'te dit 7 février caravane non li a lancé sous 10 départements pays ya. Nous a profité de carnaval Port-au-Prince, carnaval national la cap fait Port-au-Prince pour nous défiler équipement département l'Ouest. Premier jour gras, dimanche carnaval là, tout équipement département l'Ouest a défilé dans sous parcours carnaval là. Même j'en ai pour nous faire pour la Tibonite, équipement pour département la Tibonite pour caravane lancer, j'en nous dit le 7 février, n'a défilé le 2 février dans Gonaïve. Équipement pour département sud-est. N'a défilé dimanche 4 février dans ville Jacmel. Ça veut dire nord-est lui-même c'est jeudi 1er février nous va mener équipement nord-est y aller. Grand département. Moi dit un seul département qui en 20 7 février qui pas bien gagné d'équipement qui arrive sur l'île l'ouest, ça veut dire n'a défilé le 11 parce qu'on a profité de caravane. Mais département centre, n'a cherché une date enfin, 7 février, pour nous bientôt défiler équipement département centre. Comme nous connaissons caravane dans trois départements, ça veut dire l'île Nip, l'île Sud, l'île Grandos, équipement par trois départements, ça y est, nous avons fini avec l'autre département. Ce n'est pas que l'équipement n'est pas là, c'est camion seulement qui peut entrer. Mais l'équipement lourd est tout là. Nous avons défilé équipement pour 10 départements pays dans le mois février. Parce que j'en ai dit là, caravane changement, 7 février 2018 là, n'a lancé sous 10 départements pays. Nous connaissons, moi toujours dit, stabilité politique là, c'est le premier bien public que pays a besoin. Tranquillité là, c'est le premier devoir chaque citoyen, vivre ensemble. Engagement que nous supposons prendre envers pays. Parce que Haïti, pas de personne qui a venu changer le monde. Personne. L'autre pays qui a ben nous coûte main. Mais changement, c'est dans nous. Engagement, c'est dans nous. C'est nous qui l'a pour changer le pays nous. Et pour nous changer, il faut nous d'accord pour nous changer la mentalité. Et la mentalité, le seul gens qui a changé, c'est l'ordre d'accord que l'État est là pour jouer un rôle. Un rôle de régulateur, un rôle pour mettre l'ordre, un rôle pour faciliter le développement du pays. Merci un peu.